Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Planet Explorers. Enfin vous le savez déjà, c'était dans le titre. Je me demande pourquoi je le précise à chaque fois en fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je me suis un peu mieux équipé. J'ai un peu passé la semaine à faire des ressources, à farmer un peu. On va arranger un peu l'équipement. Alors j'ai pris des kits de secours qu'on va mettre ici. Ça franchement là ça sert à rien, c'est pas la peine de l'avoir. Ça je m'en fous. Équipement, hop. Mais arrête. Ça j'en ai rien à faire. On va mettre le flingue en 3. Donc voilà, je me suis équipé du flingue et je crois que je vais fabriquer des tourelles. Je vais fabriquer des tourelles parce que ça peut m'être utile. On va faire 3. Alors c'est pas là que ça se met. C'est ici, j'en ai 3. On va en faire encore une. 4. Et je vais me faire un canon. Je vais me faire un canon aussi. Ou peut-être 2. Je peux plus, j'ai plus de Cooper forcément avec toutes les balles que j'ai fait. J'en avais déjà un, ça me fait 2 canons. Allez, 7 et 8 pour les équipements. On va essayer de retourner faire la quête. Alors, c'était où? Alors, il faut que je la reprenne. On va essayer de retourner faire la quête. Et en même temps, eh bien, on va placer des tourelles autour de la zone pour essayer un peu de sécuriser tout ça. Une puissance de feu un peu supplémentaire, ça sera pas de refus. Coucou Shen, elle est bien grande comparée à moi, c'est pas normal. Allez, on reprend la quête. Ok, let's go. Alors, je me demande si je dois y aller à pied ou si je peux y aller directement sur la carte. On va aller voir. Vous allez voir que je vais popper en plein milieu. Je vais le regretter amèrement. Fail direct, c'est quand même sacré un peu quoi. Allez, on prend le risque. Normalement, ça me laisse pas sur l'objectif. Hein. Ouais, c'est un peu loin. Bah d'ailleurs, il n'y a même plus les mobs. Si, il y a les mobs. Ils étaient juste. Hors du range view. Par contre, la copine, on va attendre qu'elle arrive, je pense. Oh là là, ça y est, les dragons m'attaquent. En plus, il commence à faire nuit. Non, il m'attaque pas, il se rapproche, c'est tout. Alors, on va prendre, hop, le lit dans l'inventaire. Ah. C'est que ça s'ouvre à chaque fois dessus, ça m'énerve. Il faut vraiment que je la termine cette quête. Allez, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais dormir pour faire passer la nuit. Ah, on voit pas le mob avancer rapidement. Ouais. Oui, ce qui est un peu normal. Je m'en doutais un peu quand même. Allez, 12 heures, ça devrait pas suffire. On va faire encore 4 peu. Oh purée, je me fais attaquer. Eh bien, heureusement que j'étais armé. Je vous le dis, heureusement que j'étais armé. Ça fait pas mal de dégâts, ça, c'est clair. Allez, on va dormir encore 4 petites heures. Te rapproche pas trop, toi, là, s'il te plaît. On va mettre en place tout de suite les tourelles. Voilà, ça suffira. Alors, on en a en 7. On a les canons. Voilà, un canon en 7. Ah mince. Ok. Et j'ai intérêt. Ah, eh ouais. Ça, c'est le problème du bug. Purée, c'est grave quoi. De mourir à cause des petits bugs. Mais bon, on est dans une version alpha. Hein. On va pas en vouloir. Oh là là, il m'a one shot.
Alors le canon a pas servi à grand chose. Alors je vois pas du tout le hitbox. Et je vois pas du tout les dégâts sur le mob. Je sais même pas si j'ai réussi à l'amocher un petit peu. Allez, on va régène. Ouais, il me suit pas. Eh ben, on va faire une rangée, on va pas poser proprement. Ah, oh, il revient. Et allez, il y a un autre mob ici. Ah, c'est bon. Bon, allez, on va déjà poser ça et on verra après. Voilà. Avec ça, ça devrait le faire. Alors, 7, on a le canon. Ok. Et je vais encore me faire avoir. Je vais encore me faire avoir. On ne pose pas de tourelles ou d'autres machines de guerre quand on a des blocs en pleine main, parce qu'au moment où on les pose, en fait, ça repose des blocs immédiatement. Le clic, c'est un peu bugué. Donc il faut toujours penser à ne pas avoir de blocs dans les mains quand on pose des tourelles, tout ça. Allez, on va poser encore une ici. Une ici. Le canon a déclenché. Allez, pose. Il veut pas poser. Ah, je me fais buter, mais merde. Ah, mais c'est grave. Quoi, il m'a détruit tous les trucs d'un coup. Ah, mais je suis dégoûté, là. Je suis dégoûté. Ah, les amis, je vais m'énerver, là, aujourd'hui, je vous le dis. Ça va pas le faire. Allez. Surtout que je meurs à cause de bugs, quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. Pourquoi j'ai plus de balles dans mon équipement, quoi? Ça aussi, c'est un bug. C'est parce que je me suis équipé de l'épée. Et l'épée fait sauter immédiatement les balles. Allez, on va essayer de se le faire. Alors, en fait, ça va tout de suite mieux. Mais il va me buter, il va me buter. Ouais, il m'a buté. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, les amis, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un loading là? D'accord, a priori le pistolet de pour me revivre, on peut pas l'utiliser autant de fois qu'on veut d'affilée, je sais pas, j'ai rien compris. C'est pas grave, allez, on va retrouver ces saletés de mobs. On va la voir. Sa vie baisse tranquillement. Il est bloqué en plus. Bon, il m'a buté. Il m'a buté, mais c'est pas grave. J'ai de quoi. Mais. Ah, sérieux? J'ai de quoi me revivre en plus. Réutiliser les pistolets, quoi. Pourquoi est-ce que ça me fait repop comme ça? Ah, aujourd'hui, je vous dis, c'est difficile, hein. On est dans une partie pas aisée. Ah, et à chaque fois, faut que je le refasse du début. Allez, si je fais ça, est-ce que c'est bon? Ouais, je l'ai évité. Ah, mais sérieux, j'ai les nerfs. Là, franchement, ça va commencer à m'énerver, mais total. Total.
voyez, quand on commence à répéter 3 fois les choses, c'est qu'on est énervé. Donc quand on les répète 10 fois, c'est qu'on est très 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 énervé. Là, je perds mon sang-froid, oui. Ça m'arrive, vous voyez, toutes les parties ne se déroulent pas comme on l'espérerait. J'ai déjà utilisé 100 de balles. J'ai cette foutue fenêtre qui, à chaque fois, vient se foutre au milieu et qui commence à me prendre la tête. En plus, la quête, elle n'est pas active. Allez savoir pourquoi. Ah, c'est la totale, là, hein. Je vous le dis, c'est la totale. Allez, on va vérifier quand même. Je vais vérifier si j'ai toujours des recharges pour me heal. Parce que et cette fenêtre là, franchement, elle est chiante. Voilà, je le dis, elle est chiante. Donc non, je n'en avais plus en fait. Donc il faut que je retourne au camp. C'est tout bête. On va en acheter un maximum. Je pensais que j'en avais un paquet, mais non, je n'en avais plus. Faudrait vraiment que j'ai la recette pour en acheter, en fabriquer, parce que ça serait bien pratique de pouvoir fabriquer moi-même mes seringues. Alors, hop, chop. Ouais, ça va. J'avais assez pour en acheter 8. Mais voilà quoi. J'ai intérêt à faire gaffe à ma gueule. Donc on va y aller à pied, a priori ça fait sauter la quête, on dirait, je sais pas. On va y aller à pied. Et on verra. En tout cas, le pistolet est efficace, hein. J'ai réussi à faire péter la moitié de la vie. Donc j'imagine qu'avec avec les seringues, ça va, pas de soucis, quoi. Ok, let's go. Donc poser des canons, tout ça, des tourelles, eh bien ce n'était pas la bonne méthode. Par contre, je vous dis pas le nombre de. J'ai dû passer bien 2-3 heures à farmer du Cooper. Et je suis un peu dégoûté là de voir la vitesse à laquelle. En fait, si en 3 heures j'ai eu 300 balles, ben, vous voyez, j'ai passé presque 3 quarts d'heure en 30 secondes, j'ai passé 3 quarts d'heure de farm. Ça m'énerve un peu aussi. Je pense qu'il faudra un peu augmenter la fréquence de. Oh là là, il y a des mobs partout, quoi. Elle me suit, l'autre? Ouais, elle me suit, mais doucement, donc on va faire attention. Donc faudra augmenter un peu la fréquence de drop du Cooper parce que là c'est un peu abusé quoi. C'est un peu abusé. Allez, on va y aller. On va avec notre petit flingue vraiment tout moisi. En essayant d'éviter tous ces mobs. Mais à mon avis, c'est peine perdue. On va aggro, ça c'est sûr. Avec la chance qu'on a. Niveau bouffe, je suis bon. Allez, on voit la zone là-bas. Niveau bouffe, je suis bon. J'aurais pu prendre des alliés en arrivant au camp. J'ai complètement oublié. Ah, il y a encore du mob, sérieux. Alors le problème, c'est que je me rappelle pas lesquels sont pacifiques. Et lesquels ne le sont pas, mais lui il me suit du regard. Je pense que s'il n'était pas pacifique, il m'aurait déjà aggro depuis un moment. Hein. Allez, on va passer par là. Oh là là, et encore du mob, quoi. Sérieux, tu m'aggro, toi? Mais t'as pas peur de la mort, quoi. T'as pas peur de la mort, toi. Alors l'autre là-bas, je crois que c'est une girafe, hein. Je crois que c'est un des persos de quête. Hein. Bon, on l'a tué. J'ai bien dépensé des balles encore, hein, forcément. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il drop? Il faut trouver la hitbox. Que je ne trouverai pas, je vais pas avoir la patience de chercher, donc ah, elle est peut-être par là. Non, c'est pas grave, peut-être je suis trop loin de la hitbox en fait.
On va se rapprocher. Ouais, c'est pas grave. On va dire qu'il a rien à drop, ce qui est totalement faux, puisque s'il avait rien à drop, il aurait déjà des pop. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a tué. Maintenant, on sait que eux, ils nous font pas peur. On va voir lui là-bas. Ouais, de toute façon, il m'attaque. Voilà. Eux, ils me font pas peur non plus. Franchement, faut vraiment que je me refarme. Oh là là. Et lui, vous croyez que je peux le tuer aussi? Ah ouais, lui, il est un peu plus costaud. Allez, c'est bon, je l'ai tué aussi. Je pense qu'avec tout ça, j'augmente un peu mes connaissances de la faune. Je sais un peu mieux ce que je peux tuer. Oh, 26 morceaux de viande dessus, quoi. 26 morceaux. Mais c'est bon. C'est bon, ça. Ah, ça va, ça me réconcilie, là. Je suis un peu plus content. Bon, ben lui, on va le buter aussi, hein. Et voilà. On crème plus rien avec le pistolet, mais sérieux, quoi. Bon, faut juste que je trouve les Xbox, voilà. Les Xbox. Oui, Damien, les Xbox. Alors, trouve la Xbox sur le mob. La hitbox. La zone sur laquelle on peut activer... Alors, qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais lui tirer dessus. Hein. On va espérer que ça marche. Mais mince, chaîne, quoi, tu me... Mais... Oh, elle me troll! Elle me troll! Voilà, je suis mort, c'est cool. Mais je peux repop! Donc, il est foutu! Oh, il m'a rekill, quoi. Mais sérieux, non, c'est bon. C'était juste un knockback. Oh, on en a tué un, quoi. C'est excellent. Allez, je sais même pas combien on a drop. On a piqué sur lui. Allez, on va se faire l'autre. Et on va pouvoir enfin valider la quête, peut-être. Bon, il va me tuer, bien entendu. Allez, j'ai esquivé. Ah. Quand il se pose, c'est même plus la peine, quoi. C'est même plus la peine quand il se pose. Ah, il faut pas que Shen, elle meure. Voilà, franchement, ça va le faire. Ah, mais elle a une sacrée résiste. Non ! Mais sérieux ! C'est pas cool ! Il m'a tué. On va la voir. Yes! Bon, j'espère qu'il n'y en avait que deux, par contre. Hein. D'accord, a priori, il y en avait un troisième. Ok, allez, on va essayer de se le faire. Ah, s'il reste à distance comme ça, ça va être vraiment cool. Ah là là. Le problème, vous voyez, c'est... Oh, pff, il m'a donné un coup de queue. Il m'a pété la tête. Allez, il faut vite que je revienne. Non, ça devrait le faire. Oh là là, il est mort. Il est mort, les amis. Il est mort. On a eu les trois. J'espère qu'il n'y en a pas un quatrième. En fait, j'espère que ça pop pas en boucle, en fait. Yes, a priori, c'est bon. Allez, on est au centre. A priori, c'est bon. Voilà, allez, je suis de retour, hein. Comme d'habitude, vous le savez, ça m'arrive souvent de sortir de l'écran et forcément, je casse la capture. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit fondu au noir. Donc, c'est pas grave. Allez, on va vérifier donc au niveau du journal de quête déjà. Danger in the sky. Help chain, donc on doit... On doit chercher des traces de David. Alors maintenant qu'il n'y a plus de mobs, peut-être ça va être plus simple. Et a priori, c'est où, quoi? C'est où? Non, non, il faut rester dans le coin. On va faire le tour. Ah, sérieux, je sais même pas où se valide la quête. Donc ça risque de poser un problème.
Ça risque de poser un problème. C'est bien, maintenant on a nettoyé la zone. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. On doit trouver un signe de vie de David Chen, hein, ça c'est sûr. Et maintenant que j'ai besoin, la quête elle s'affiche plus. Mais sérieux quoi. Ed Chen. En plus, je vais recevoir comme reward un handgun et 99 balles, en sachant que j'en ai utilisé près d'une centaine, donc ouais, ça va me récupérer. Mais j'ai déjà un handgun, donc c'est pas cool. Oh, mais je vois que j'ai validé l'autre quête, hein. Ça c'est cool. Ça c'est super cool, je vais pouvoir me faire un appât à mob. Alors, bon, bah, on doit l'aider à inspecter la zone. Je vais lui parler, je vais voir si je peux lui parler. J'aimerais bien avoir son flingue en tout cas. Non, a priori, je peux pas lui parler. Pas en pleine quête. Ah, attendez, attendez. Je vois qu'il y a du orange là sur la map. Est-ce que ça serait par là? Eh bien voilà, je suis encore sorti de l'écran. Mais en tout cas, voilà, c'était ici qu'on devait amener Shen. Si ça se trouve, j'étais même pas obligé de battre les mobs. Alors, mais quelle est cette place anyway? We need to get into the nest. On doit aller dans le nid et regarder autour. So we have someone keep the corona way too. Non, mais c'est bon, les coronas, on les a tués. Ouais, en fait, c'est là, il m'expliquait. En gros, je pense que c'est là que je devais utiliser l'appât. Alors, si je me tiens ici, l'autre va me valider la quête. Si elle se décide à ramener ses fesses, voilà, on va l'attendre, elle n'est pas pressée. Donc si j'avais utilisé la pack que je viens de gagner là sur la quête Monster Beacon, ici, là, ça m'aurait permis en fait de valider la quête ici sans combat. Donc ça aurait été intéressant. Alors qu'est-ce qu'elle me raconte? D'accord, on peut valider la quête. Et ben vous savez quoi, vu le temps là que ça a mis l'épisode, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Moi je vais enchaîner tout de suite avec le tournage de l'autre épisode, mais vous, il faudra que vous attendiez quelques jours. C'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Non allez, je plaisante, on va se quitter là pour cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Planet Explorer. Bye bye tout le monde, portez-vous bien.